Aujourd'hui, je vais te parler d'un pays à 2 heures de Paris en avion. Chypre, où les plages font rêver, où tu peux à la fois découvrir une culture mais aussi faire la fête. J'avais envie de te parler du Portugal, car c'est pour moi l'un des lieux incontournables en Europe. Et c'est l'un de mes voyages que j'ai le plus apprécié. Je te présente dans cette vidéo les 6 choses essentielles qu'il ne faut pas rater au Portugal. Numéro 1, déjà je te conseille de voyager en train et notamment de prendre un One Country Pass de chez Interrail. Le billet coûte seulement 60€ et tu peux facilement voyager de Porto à l'Algarve au sud en passant par Lisbonne. D'ailleurs, le départ de Lisbonne jusqu'au sud te fait passer par le pont du 25 avril, un point de vue imprenable sur la ville. Les trajets sont rapides et absolument pas fatigants contrairement à d'autres pays prisés par les gens passant par Interrail comme la Hongrie ou la Croatie. Je te conseille fortement d'envisager ton voyage dans le pays en prenant cette solution de transport. Numéro 2, découvrir Porto. Alors Porto peut se faire en un gros week-end de 3 jours mais tu peux t'attarder davantage notamment en rentrant dans les terres pour découvrir la vallée du Douro. Les incontournables à Porto restent le pont Dom Luís, au centre de la vieille ville, les ruelles montantes et descendantes et les caves de Porto, très réputées. Bref, Porto peut plaire à tous les voyageurs, que tu ailles en couple, en famille ou avec tes potes, tout le monde trouvera son compte. Et pour se loger, c'est le rêve. Cet appartement nous est revenu à moins de 20€ la nuit par personne. Les appartements avec balcon et rooftop sont nombreux sur les sites. Tu peux facilement trouver quelque chose de privé en plein centre de Porto pour rien du tout. Numéro 3, Lisbonne. La capitale devait se retrouver dans cette feuille de route. Ses grandes avenues typiques, son tramway encore d'époque, sa gastronomie, elle a tout pour plaire. Que ce soit une visite au zoo, déguster une pastis Zenata, découvrir les nombreuses églises, finir sa journée dans le quartier du Barrio Alto, bref, Lisbonne c'est une destination de choix. Pour parler du zoo de Lisbonne, il y a notamment le spectacle des dauphins, qui n'est à ne vraiment pas manquer, en plus des autres activités proposées là-bas. Et puis là encore, le logement ne te coûtera pas un bras. De nombreux Airbnb sont disponibles, et même au dernier moment. Numéro 4, les caves de Porto. Dans la plupart de ces caves, tu peux faire le tour du propriétaire, bien sûr avec un guide en anglais, assister aux étapes de conception du Porto, et bien sûr goûter plusieurs bouteilles. Nous, on a choisi la cave Graham's, mais il y en a une dizaine d'autres sur la rive droite de Porto. Numéro 5, visite des grottes de l'Algarve. La beauté de l'Algarve est incroyable. De l'est à l'ouest, je te conseille de passer la fin de ton périple sur les plages de sable orangé du sud du Portugal. Là-bas, tu pourras faire un tas de choses, comme des sports nautiques, du kayak, du bateau. Le mieux reste encore de prendre un ticket pour la découverte de nombreuses grottes et plages à accès maritime le long de l'Algarve. Nous, on a choisi la ville d'Albufeira pour en même temps y faire la fête. Et ça a été un excellent choix. Entre découverte naturelle et grosse soirée, l'Algarve est un carrefour parfait. Numéro 6, Peña. Ça a été une aventure dans une aventure. Tu pars en train de Lisbonne, je rappelle qu'avec Interrail ça te coûte rien, et puis à toi de te débrouiller pour prendre un tuk-tuk, l'option la moins chère pour monter jusqu'au palais, qui se trouve à 500 mètres d'altitude. Là encore, ça a été très drôle, puis une belle balade. Le palais de Peña est situé sur une des cimes de la Serra Sintra, au cœur d'un parc de 200 hectares sur la ville de Sintra au Portugal.
Il se caractérise par ses couleurs vives, jaunes et rouges. À une heure en train de Lisbonne, on a été tenté par le dépaysement qu'offre le parc et le village en amont, mais surtout pour passer une journée au calme. Paris réussi avec Peña, en plus d'être magnifique, le palais est gorgé d'histoire. Voilà, Stop 6 est maintenant terminé. J'espère que ce nouveau format de vidéo t'a plu, c'est un de mes premiers et je compte continuer un peu sur des vidéos dans ce même genre. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, qui sont Instagram et Facebook. Mon aventure en Asie commence très prochainement, j'invite donc à t'abonner à cette chaîne YouTube pour manquer aucune des vidéos qui vont y paraître. Voilà, c'est tout pour moi, ciao les gars.